Bonjour à tous, c'est Mitrapneuma de Nintendo Alert et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce du sanctuaire de Tajikatu sur Zelda Tears of the Kingdom. Allez, c'est parti, donc on prend la première structure en bois qu'on va coller à cette espèce de paroi pour tout simplement passer de l'autre côté. Alors vous voyez, ces rondins sont... Enfin, ça glisse, on va dire. C'est toute la difficulté en fait... de ce sanctuaire. Il y a très peu d'adhérence, donc placer les rondins de façon stratégique pour pouvoir passer de l'autre côté. Je pense qu'il y a plusieurs solutions, hein, plusieurs façons de passer. Moi, c'est enfin. Pas la plus simple, mais celle qu'on a trouvée. Et c'est celle qu'on va vous proposer. Et parce qu'en plus, je suis pas trop fan des collages trop compliqués. Le but là, ça va être tout simplement d'escalader cette construction et de passer de l'autre côté. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Sûrement d'autres constructions plus élaborées qui vont passer au-dessus, mais on va pas s'embêter. Pareil, allez, on a collé. Plus on colle contre le mur, comme ça évite de déraper. En fait, je pense vraiment que pour les ce sanctuaire de collage, le plus simple, c'est le plus efficace. Hein. Après, ça peut amuser certains de faire des montages plus complexes. Moi, c'est pas mon cas. J'aime bien que c'est simple. Parce qu'il y a quand même tellement à faire dans Tears of the Kingdom que j'ai pas spécialement envie de passer 30 minutes dans chaque sanctuaire. Donc voilà. Cette méga construction, pareil, collée à la paroi, comme ça, bah, quand vous escaladez, c'est beaucoup plus simple que de la mettre au milieu, de prendre le risque de glisser. Donc là, on a des turbines, ce qui veut dire beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire qu'on va devoir se propulser. Un petit peu trop bas. Je
Allez. Et droit vers la cascade. Ça aussi, ça vous montre un peu que ben, si vous êtes mal orienté, ben, tout simplement, vous changez la turbine de côté pour vous diriger là où vous voulez. Pas nécessaire de se jeter à l'eau et de se noyer. Voilà. Donc, franchement, je ne vous demande même pas si vous avez d'autres solutions. C'est évident dans ce genre de sanctuaire qu'il y a d'autres solutions. En tout cas, si ça a pu vous aider, j'en suis ravie. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça nous fera plaisir. Merci les amis. Bye bye.